On parle du slogan. On a travaillé là sur la couleur, je crois qu'on l'a choisi. Oui. Un vert qui n'est pas celui de ta campagne présidentielle. Oui. On n'est pas dans les bleus, là, comme on a fait là ou... C'est la couleur de la campagne de la droite. Ouais. C'est le bleu. C'est la couleur de la droite en général, quand même. Ouais. Là, si tu es sur une affiche, donc ça ne pose pas de problème. Ouais. Ouais. Mais on pense que sur un kit, sur. Bon, remarque, c'est un point de vue. Voilà. C'est la seule où on a fait la remarque. Mais sur le vert, c'est vrai, il y a des préventions. En même temps, c'est l'espérance, c'est l'équipe des verts. Enfin, c'est celle de Villeurbanne aussi, même s'ils n'ont pas gagné hier. Non. Etc. Donc, on est sur une idée qui changeons d'avenir, changeons de majorité. Qu'on pourrait donner à nos candidats, mais pour demain, on mettrait ça avec pour la France, hein, pour essayer de... Donc, bon, c'est faux, tu sais, moi je ne réagis pas instantanément forcément, mais ce qui me frappe tout de suite, c'est l'idée, bon, l'avenir, c'est pas mal, mais en même temps dire changer d'avenir, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a un avenir avec eux et un avenir avec nous? Bon, est-ce que ce n'est pas non plus les créditer eux aussi de l'avenir, si tu veux, tu vois ce que je veux dire? Oui, enfin, tu sais bien que ce genre de phrases, de slogans, tout se retourne, quoi. Bon, c'est sur l'avenir autrement, mais c'est trop faible. Pour la France, changer, mais c'est trop court. Sur les couleurs, toujours. Et pourquoi pas changeons l'avenir? Changeons de majorité. Changeons l'avenir. Est-ce que demain, on peut mettre avec Lionel Jospin ou pas? Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on en reparle, mais c'est à toi aussi de le... Je pense que... Toi, tu crois? Plutôt, oui. Ben là, ça veut dire quand même qu'on... C'est un choix. Entre guillemets, on redonne un caractère un peu... Un peu présidentiel. Oui, entre guillemets. C'est peut-être trop fort, enfin. Non, moi je le sens plutôt sans, hein. Toi, tu à ce stade. Sans... Oui, sans la joue personnelle. Sans la joue personnelle. Oui, c'est mieux avec le D' quand même, je crois. C'est plus... Changeons d'avenir. Oui. Ouais. Parce que changeons l'avenir, c'est un peu prétentieux. Un peu plus. Alors, à tous, je dis, et ce sera notre slogan, mon slogan, dans cette campagne des élections législatives, changeons d'avenir.